s'appelle Quelle idée ? J'avais envie d'écrire. Mes doigts me titillaient, mon cerveau bouillonnait. Une envie insatiable de mettre en forme des idées qui me tenaillaient. Je n'en dormais plus, j'en rêvais. Je voyais des mots, des bouts de phrases, n'importe quoi. Tout ce qui me venait en tête, me réveillant parfois la nuit. J'avais envie d'écrire, mais écrire. Du coup, des fois, je prenais mon téléphone à n'importe quelle heure de la nuit et j'écrivais 2-3 mots, 2-3 phrases. Des fois, juste pendant un film, je me mettais à écrire 5-6 pages. Certes, je voulais écrire, mais pas n'importe comment ni n'importe où. Du coup, un matin, je me suis dit, je me lève de mon lit. J'étais allongée. J'allais me mettre à mon aise et laisser mon inspiration faire le reste. Il en était capable. Moi, je ne serais que la main qui actionne l'encre, qui met en physique les mots pour que tous puissent les lire. Je sais quel cahier je vais prendre, celui avec la couverture rose. Il est parfait, ma plume glissera facilement dessus. Oui, j'ai des préférences. Ça dépend des jours, ça dépend des envies. Par contre, je ne sais pas sur quoi partir. J'ai le support, mais pas le stylo. Est-ce que je fais mon premier jet au crayon gris ou alors je tente le passage à l'encre directement? Bon, laissons à ma main le choix du cœur. Après tout, c'est elle qui écrit et elle doit être à l'aise. Commençons par cette trousse. Oui, parce que maintenant j'ai compté, j'en ai 62 de trousse. Et plus de 3000 stylos. J'aime bien, mais j'ai trop de choix de couleurs pour commencer. Passons à la suivante. Celle-là, elle est pas mieux. Avec toutes les teintes à la réalisation d'un Monet tout citron. Purée, je vais pas y arriver. Je me concentre. Reste sur du basique pour commencer, ça sera très bien. Bon, tu arrêtes de m'enquiquiner, je voudrais pouvoir essayer de trouver. De toute façon, tu vas faire des ratures, donc pas besoin de chipoter. Oh, c'est bon, laisse-moi. Où sont mes stylos noirs? Faut vraiment que je mette ces deux trousses devant. Alors, est-ce que je prends les fantaisies ou les classiques? J'ai bien envie de prendre mon petit panda. Oui, j'ai un très joli stylo avec un petit panda au bout. Il est vert, c'est un stylo en forme de bambou. Oh, et puis non, je sais, je vais prendre une rose. J'ai un joli stylo rouge avec une jolie rose qui s'allume quand on écrit. Quoique. Il est beau mais pas pratique, surtout pour de longs textes car trop lourd. Je sais, je vais plutôt prendre une de mes fleurs. Ils sont légers. Ouais, mais non, ils sont super longs, ça va me chatouiller le nez. Bon, merde. Merde, merde, merde et merde. Je vais bien en trouver un qui me convienne aujourd'hui. Super, voilà que mon ventre s'y met. Je m'en fous, je ne bouge pas tant que je n'ai pas trouvé mon bonheur. Alors, non, pas celui-là non plus, pas celui-ci, il est beaucoup trop lourd. Peut-être lui. Non, il s'efface tout seul, ça va être chiant. Eureka, c'est bon, j'ai trouvé celui qu'il me faut. Il est parfait. Petit, mais pas trop, mignon à souhait, et son encre glisse comme du beurre sur une poêle bien chaude. Voilà, je peux enfin commencer à écrire. Mon estomac attendra encore un peu, j'ai envie de gratter du papier. Ah. Vite, vite, vite. Bon, alors. Alors. Bon, voyons. Merde, par quoi je commence? Alors, par quoi ça commençait déjà? Il y avait une femme, je crois. Non, c'était un enfant, je m'en souviens. Ou alors un homme. Oh, je sais plus ce que je voulais écrire. C'est bon, je vais manger, j'en ai marre.